Donc les gars, nouvelle vidéo sur le petit non, sur la méca mob, je me suis trompé. Donc là on va faire une présentation de la 41S MBK que j'ai changé le vilebrequin. Vous pouvez voir dans l'impressionnante vidéo là du changement du vilebrequin de cette mobilette là. Donc je fais un petit point à la présentation. Donc là les gars, ce que j'ai rajouté, je sais pas si vous allez voir, un petit carbu de 15. Petit carbu de 15 avec un carbu de 15 quoi. J'ai changé le joint de cuve. Après là, j'ai mis un pot Léo Vince dans un Cobra, ça s'appelle un pot Cobra. Donc lui, il est en full parce que là j'ai une chicane qui sort là. Donc là, il y a un tube, il y a des raccords des tubes, j'ai coupé. Donc là, lui il est en full. Donc vous pouvez le voir, je l'ai rifté parce qu'en fait avant il n'était pas rifté. Donc j'ai mis du chrome mais ça tient pas très bien le chrome. Le noir, il a bien tenu, ça avant il était tout rouillé. J'ai tout repensé mettant noir. Donc voilà. Donc là, je voulais recaler l'image, mais en fait, je l'ai fait à la main, comme ça. Et ça marche très bien. Donc après, voilà, je vais vous l'allumer. Après, j'ai ressoudé aussi le porte-bagages qu'il a coupé. J'ai repeint ça. Donc voilà, tout ça. Après, là, il y a le phare à revoir. Donc là, comme frais, j'ai fait au moins 150 € de frais parce que j'ai changé le variateur. Avant, c'était une poulie fixe, mais j'ai mis un variateur. Je ne suis pas emmerdé, il roule plus vite. Une poulie neuve. Là, j'attends les roulements de la grande couronne pour les changer parce qu'elle est voilée, puis c'est un peu grave. J'ai changé la chaîne, le pneu arrière, mais le pneu avant, j'ai mis un nouveau pneu aussi. Sauf que le nouveau pneu, je l'ai baisé là sur le flanc. Il était à l'arrière, et sauf qu'il s'est pris dans la chaîne, du coup, je l'ai baisé, donc dommage, ça me fait chier. Du coup, j'ai remis un vieux, mais il faut que j'en rachète un. 70 € les deux pneus, donc ça coûte hyper cher. Ça c'est une 41V, donc vous pouvez voir, ça marche nickel. C'est comme les 51, sauf que là il n'y a pas de suspension. Et puis c'est tout. Puis il n'y a pas le variateur sur les... Bah, c'est comme une 51 de toute façon. Sauf qu'il n'y a pas les suspensions sur une 51. Donc là, je vais vous passer le démarrage. Donc ça fait à peu près une mobilette comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, une belle mobilette. 41, moto bécane, qui est sorti chez moto bécane. Donc le pot Cobra, là, je sais pas si vous pouvez voir. Ça, c'est d'origine. Bah, normalement, c'est d'origine sur ce moteur-là, mais d'origine, il y a aussi le pot qui passe là gros. Moi, j'ai mis celui-là parce que j'en avais un. Puis il est plus long, donc il y a plus de compression. Donc on roule plus vite. Plus j'ai des chicanés, donc on roule un peu plus vite. Donc là, à peu près avec ça, on fait du 70-80. Donc c'est déjà pas mal. Donc voilà. Tout. Donc là j'ai changé le cylindre aussi, le piston était neuf mais j'ai remis l'ancien parce que le piston il a serré, comme le cylindre il était mort, donc j'ai remis un cylindre que j'avais en stock chez moi, mais j'ai remis mon vieux piston, il était pas très bien, avec des cylindres neufs, et c'est reparti. Une bougie Bosch que j'ai effectuée neuf, donc ça c'est bien pour ce moteur là, il est très bien, et performant, l'allumage est hyper performant, elle démarre du premier coup. Donc je vais vous précéder au démarrage, donc là on décompresse ici. Je vais couper parce que là ça va être chaud. Et je vous jure, premier coup de pédale comme ça, elle démarre. Je vous jure. Donc là les gars, vous voyez bien, elle est démarrée. Donc elle fait un peu de bruit parce qu'elle est en full. Donc voilà. Donc là, premier coup, elle a démarré nickel. Elle marche du tonnerre cette mobilette. Et j'ai changé aussi, j'ai pas précisé le vilebrequin. Bah le vilebrequin si je l'ai dit. Que vous pouvez aller voir la vidéo dans le démontage du vilebrequin. Vous pouvez aller voir. Donc attention, petit démarrage. Vraiment étonné, ah, tiens, super bien le ralenti. Donc voilà, donc là on décompresse. Donc aussi j'ai acheté une poignée d'origine là parce qu'elle était baisée pour le starter. Mais même quand elle est froide, elle démarre sans le starter. Après je le mets, c'est mieux. Donc voilà, donc là il y a de la bonne compression. Donc je suis content de moi là, ça fait des. Mais... Donc là j'ai repeint la jante en chrome. Vous voyez, le côté je l'ai pas fait, mais voilà. Puis aussi maintenant il faut des plaques carrées pour des rectangles pour rouler, mais c'est un peu chiant. Aussi, il y a mon feu qui est mort. Regardez mon feu. Il est décaloté. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, ça, faut que je le change. Mais il marche très bien. L'allumage marche très bien. J'ai changé aussi la chaîne dessus. La béquille. Parce que la béquille est tordue. Là, même, il faut que je la resserre un peu. Donc, là, maintenant, il se déplie. Oui, il bouge.
Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, s'abonner et puis voilà. C'était juste pour une présentation comme ça. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Allez les gars, ciao.